Les liens guérignés qui doivent aller avec le lait, c'est à partir de là qu'il fait la demande. Et ensuite, le lait est pasteurisé. Il y a le pasteur qui est là. Le lait est pasteurisé, ensuite stocké dans des tanks avant d'être envoyé au niveau des conditionneurs. Toutes ces opérations sont effectuées ici. Mais le système aussi a un système de verrouillage qui fait que toutes les opérations qui sont effectuées au niveau des instruments, des tanks, nécessitent un nettoyage. Et ce nettoyage-là, le système bloque systématiquement si le nettoyage n'est pas effectué. Vous voyez avec cette couleur-là, si vous voyez cette coloration qui est grise, ça veut dire que le tank est non propre. Donc le système refuse systématiquement de recevoir la lait. Il impose à l'opérateur d'effectuer un nettoyage avant de passer à l'étape suivante. Et on a un système de nettoyage. Et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est un nettoyage. Le vert, ça veut dire que c'est propre. Le jaune, ça veut dire qu'il y a du produit là-dedans. Donc, connaissant ça, vous voyez, donc c'est au niveau de ce tank-là, on est en train de le nettoyer. Donc, on a une station de nettoyage qui est à l'extérieur de cette unité-là. C'est à partir de là-bas que toutes les. Se fait, les préparations se font là-bas. Mais l'opérateur, à partir de cette salle-là, il demande le type de nettoyage qu'il veut faire. Il le fait à partir de cette salle-là et le produit de nettoyage vient systématiquement nettoyer tous les tanks et le pasteau et les conditionneurs. C'est automatique. C'est automatique. À partir de là. En fait, si vous regardez ici, vous avez de l'eau neuve, vous avez de la soupe, vous avez de la soupe, vous avez de l'eau chaude. De l'eau chaude. Obligatoirement, chacun passe à son tour. Et ça va à une vitesse de 100 miles à l'heure, de 160 km/h à l'intérieur, pour qu'il n'y ait pas de tac qui reste dans le circuit. Des tuyaux en inox. Ouais, l'opérateur, à partir de là, il fait la commande. Et la station aussi est verrouillée. Ça nécessite une certaine concentration, une certaine température. Tant qu'on n'a pas atteint cette concentration, le système refuse de procéder au nettoyage. Il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que la station dise « Ok, maintenant je suis prêt pour être utilisé pour le nettoyage. » À partir de ce moment, l'opérateur peut effectuer le nettoyage qu'il veut. C'est un produit qui vit. Tous les jours, il est là pour voir une faille, pour vous trahir. Et tous les jours, c'est la même chose. Bon, il nous arrive à des fois où le labo dit il y a 5000 litres, il y a 10 000 litres qui sont dans le circuit, il faut détruire. Si on vous montre ça, vous allez dire c'est beaucoup. On dit oui. Parce que le lait est comme ça. L'année passée, on a presque jeté plus de 300 000 litres. Mais c'est logique. C'est le système. Mais plus on part, plus on est rodé, plus on comprend que. Je vous dis, un jour, on jetait beaucoup de lait. Le directeur technique est venu, j'ai dit écoutez, trouvez-moi la faille. Vous savez, la faille, c'était quoi? C'était à un angle où les tuyaux tournaient. La soudure à l'intérieur, ce n'était pas une soudure à l'argon.
où il y avait un petit angle où il y avait, si vous voulez, un peu des tartes qui n'étaient pas nettoyées par le système. Et c'est ce qui causait. Un petit truc qui n'est rien du tout. Donc ça veut dire que la date de préemption, elle passe de 1 an, 1 an et demi à 6 mois, à 7 mois. On n'est pas d'accord. Il faut que la date de préemption soit respectée selon les normes. Contrôlons la qualité depuis la matière première jusqu'au produit fini en passant par toutes les étapes de la production. Durant toute la production, le laboratoire travaille avec la production pour déterminer la qualité. Et si la production doit poursuivre, elle doit avoir l'aval du laboratoire. Donc, durant toutes les étapes de la production, comme je viens de vous le dire, on prend des échantillons, on prend aussi des archives que l'on garde ici au laboratoire pour faire des tests de vieillissement accéléré, c'est-à-dire on suit l'évolution du produit sur le marché. On a des machines sophistiquées qui nous permettent de faire des simulations pour obtenir exactement les températures du marché. Ensuite, on fait les vieillissements accélérés pour pouvoir suivre par mois. Chaque mois, on sort des échantillons qu'on suit pour voir exactement l'évolution sur le marché. Donc, on fait un contrôle au niveau chimique et on fait aussi un contrôle au niveau microbiologique pour s'assurer de la pureté microbiologique du produit. Voilà. Donc, avant de remettre le produit au consommateur, donc on s'assure que tout a été bien fait au laboratoire et que le laboratoire, c'est lui-même qui décide si le produit doit être vendu ou bien doit attendre encore pour suivre des contrôles supplémentaires. Voilà. Donc, de temps en temps aussi, on amène des échantillons au laboratoire de l'Institut de technologie alimentaire ou bien de l'Institut Pasteur pour faire un autocontrôle interne. Voilà. À la suite de ça, on libère le produit dans le marché pour s'assurer qu'on a que des produits conformes. C'est ce qui se passe.